Salut tout le monde, on se retrouve cette fois pour une petite expérience particulière, toujours avec les mêmes qu'on ne présente plus, Almar et sa magnifique coupe iroquoise, hein, tel un Mister T à la française, Terfi avec son costume d'homme d'affaires véreux, Le pingouin. Et je suis le docteur. C'est le pingouin hashtag de compte au Batman, Panama. Terfi. Et ici le docteur, bande de méchants. Bon, moi, votre humble serviteur, hein, en skin un peu plus aventurier cette fois, mais Moi je suis David Tennant, ferme-la. n'oublions pas, que dis-je, l'initiateur, le banquier, le Le taulier. banquier à moitié, hein. Qui n'est plus là, En qui a partie. disparu. Le taulier Mister Voltage qui vient de se péter l'équivalent de 4 chevilles et demie. J'ai pas vu la selle. Oh, trop dommage. J'ai tout loupé. Bah, tu rates toujours tout, Terfi, t'inquiète. Et cette introduction Mais qui va oui. finir par mettre 3 heures. Cette méchanceté. Donc, bref, allez, revenons aux choses Bon, un peu plus sérieuses. mets-nous ton petit truc là. On est. Waouh. J'ai bien fait de baisser le son. On est réunis tous les quatre avec enfin, voire même tous les cinq techniquement vu qu'il y aura notre la guest base, ouais. Bah elle est cool apparemment. Night and Star qui. Oui elle est cool parce que je l'ai fait chier tantôt. Ah bah j'irai la voir. Donc nous sommes sûrs. Tu vas voir, il y a beaucoup de fleurs. Nous sommes. Tiens, bah, tu sais quoi d'ailleurs? Je vais faire un petit plan d'ensemble. Voilà. Nous sommes sur le serveur de la Team Feliste, hein, donc le nôtre, voilà. Parce qu'on a enfin décidé de se donner un nom. Dis coucou, coucou. Coucou, attends, putain. Apprends à écrire, Mimi. Tiens, hop, regarde. Je vais même passer en mode cinématique, tu vois, pour ça donner un petit effet. Voilà, donc on est sur notre serveur et on va en profiter pour vous faire une petite série modée sur à base de modpack Realm of Nianit pour ceux qui voudraient tenter une partie solo, tenter sur le serveur officiel du truc. Voilà, pendant que Mimi va s'occuper de faire l'ingénieur son, merci. Et donc, on se retrouve donc tous les quatre au spawn. Sachant que notre petite guest, hein, qui est le fil rouge de cette série slash émission, de son côté, elle est partie. Alors, je vous montre la map. Voilà, elle est ici, à approximativement 1200 blocs de d'où on est. Comment on ouvre la map? La touche J. Oh là là. Et, c'est mal barré avec moi, je vous préviens. Et donc, comme vous pouvez le pas constater, vu que je suis encore en créa, voilà, on va refaire les choses, voilà, en survie. Il y a beaucoup de modes, vu qu'il y a 48 pages dans le Nothing Files, avec mon anglais fabuleux. Ah. Donc, on se retrouve au spawn avec chacun notre petit starter petit coffre avec yo, beaucoup mien. De choses. Tout prendre, j'imagine. Tu peux tout prendre ou rester ou le téléphone ou en laisser là, c'est pas gênant. Oui, une Game Boy. Alors, justement, c'est le mode Compact Machine qui va nous permettre de. Dites-moi quoi faire, je suis perdu. Terfi, est-ce que parler nous explique là. Ce mode nous servira essentiellement à ne pas faire exploser le serveur au bout de 2 minutes. Venez ici. Voilà. Il est où? Cool. C'est ce bloc là. Va nous faire la petite démonstration. Vous allez prendre votre Game Boy en les mains. Bah attends, je l'ai pas. Alors attends, je vais le faire aussi parce que j'aurais pu le faire après plus tout seul. Mais... Dans les mains. Je l'ai. Là, tu vas voir que 4. Un joli papillon. Oui, merci. Regarde, quand tu vas mettre ton curseur dessus, tu vas voir qu'il y a des nord, sud, ah ouais. Est. Si tu cliques dessus, tu vas te téléporter dedans. Dedans quoi? What the fuck? Ah! T'es dans la machine. Wow, on arrête ici? On arrête ici? En gros. C'est un genre de petit monde
ou que quand on va mettre, mettons, des milliers de machines avec des gros tics, ben ça va être juste un bloc qui va générer le tic, fait que ça va rien changer. Laisse qu'il faut parler, parce qu'avec ton accent, on comprend rien. Sachant que je nous ai fourni la plus grande taille de compact machine exprès pour qu'on mette le maximum qu'on peut, afin d'éviter d'en avoir en dehors et de faire laguer le serveur inutilement. C'est franchement, c'est un mode que j'ai découvert. C'est dans... j'ai envie de dire le nom, mais en même temps, ça leur fait de la pub. Bon, tant pis, dans Feed the True Duke, de la team Alex Click. Et c'est vrai que ça sauve les vies. Quand tu mets toutes tes machines dedans... Après, chacun fait sa petite tambouille, hein, si on veut le couper en deux parties pour séparer tel ou tel mode, chacun fait ce qu'il veut. Mis au coin. Pichol. Ensuite... Vous n'avez rien vu. Pour Terfi et Almar, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que... je suis en train de tomber. Ouais, j'étais passé sur la map. Voilà. Alors le truc qu'il faut que je dise, c'est que je suis déjà nul à Minecraft de base, donc dans le modé, c'est encore pire. Non, mais tu vas voir, il y a plein de moyens de s'amuser et de faire des choses rigolotes avec. Ah ça, j'en doute pas, mais je suis nul. Bon. Ben, au pire, c'est pas grave. Parce que si je lag en plus... Non, j'ai quand même une question assez sérieuse. Terfi, t'es bon en quoi, en fait? En maths. Allez, c'est parti, ça trash talk direct. Mais sinon, c'est tout, ouais. Bon, et sur le principe, pas gâté, en fait, ça va être très en mode détente pour ceux qui connaissent sur le principe de la Team Patrick. On va faire un petit peu chacun notre petite base dans notre coin. S'il y a besoin, on va aider tout seul. S'il y a besoin, on va aider les copains. Oui, oui. Il y a de grandes chances que ce soit le seul et unique épisode où on est. Il aura rien. Il aura un champ. Oui, il est dans un coin comme ça. Il est tout seul. Sinon, tu viendras avec moi. Et comme je l'ai mais promis. Mais il y a du chemin. Si tu te noies pas avant. Comme je l'aurais promis, t'inquiète. Je vais mettre le petit chapeau, voilà, qui va bien. Oh, la classe! Par contre, comment elle tient la caméra? Mais il y a tu te l'es greffé? Il y a une sorte de petit trépied sous le projecteur, en fait, c'est fait exprès. NASA. Le trépied, il est dans tes cheveux. Ça doit pas faire un peu mal, ça? Mais non, mais tu comprends les pas. Les projecteurs, c'est lourd. Les projecteurs, c'est lourd, hein, ça doit bien t'écraser le crâne, ça, quand même. Non, ça va. j'ai pas trop de problèmes cérébraux. Puis la perche, elle est petite, hein, perso. Là, pour filmer, c'est chaud. Je sais pas ce que tu veux enregistrer avec ça, mais la perche, elle est vraiment petite. Bref, tant que j'y suis et présenter quelques petites fonctionnalités utiles pour les petits nouveaux. Vous avez il a un petit nuchou à la tête. Vous avez ici quatre types de crafting table différents. La première, ici. C'est pour ça que t'as fait ça. La première ici, elle est pour oui, toi. Monsieur. Elle est pour toi, Terfi. C'est la Easy Crafting Table. Waouh. Si je dis pas de conneries, c'est dans les cases rouges. Il va te proposer tout ce que tu peux crafter en fonction de ce que t'as dans ton inventaire. Ah bah y a rien. Oui non mais. C'est donc normal. Ici bon bah la crafting table basique, hein. Ouais. Normal. Celle-là pour moi elle est compliquée. Et ah bah oui, d'ailleurs j'ai fait le con, ça c'était l'idée à la... Crafter une connerie. Quoi? On t'entend, Mister. Pourquoi tu chuchotes? Voilà. J'ai viré une table alors qu'il fallait pas. Ici, oui. La table de Tinker Construct. Celle-là, c'est la même que celle de base, seulement là, tu peux laisser les items dedans et te barrer sans que ça te dépop par terre. C'est assez pratique. Mais... Ça sort de coffre en plus. Oui. Pas compris. Si tout le monde peut y accéder quoi. Non, non. En fait, je t'explique. Par exemple, là, tu vois, t'as ta crafting station. Et ben, si à côté t'as un coffre avec de la pierre, du diamant et des sticks, et ben, quand tu iras dedans, tu verras ce qu'il y a dans ton coffre à côté.
Et tu peux directement piocher dedans sans avoir à sortir, regarder dans ton coffre, revenir dans la table. Tu peux les faire glisser de l'un à l'autre si tu veux, comme si c'était l'extension de ton inventaire. Il a rien compris. Ouais. C'est ce qu'il semblait. Bon. Ça sert à rien de lui expliquer, il comprend rien. Mais ouais. Si, regarde, tu vas voir, ça va être simple. On va prendre un petit chest. On va prendre de la cobble. Je pose mon petit chest ici. Et quand je vais aller dans l'inventaire, tu vois, j'ai mon chest à côté. Ah ouais, oh, c'est magique. Et par exemple, là, tu vois, je prends un peu de cobble, hop, je remets le reste. Et là, je te pique de la cobble. Oui, ben non, mais si tu veux, mais sur le principe, voilà. Ah, aussi, petite fonctionnalité intéressante. Quand tu regardes, enfin, quand tu vas placer ton curseur sur un élément, tu vois en haut une petite fenêtre où il y a marqué, par exemple, lava stone, tiles, light level 14 sur 15, chisel. Qu'est-ce une assane? Oui, mais sur le principe, ça marche avec à peu près tout ce que t'as. Et en particulier, si tu regardes ici, les tanks, ça te permet de savoir directement... On vient la pluie. Ça te permet de savoir directement déjà ce qu'il contient et surtout la quantité qu'il contient. Du coup, je me suis fait des tri torches, ça, je peux pas les poser, c'est con, ça. Derfi, il y a eu chaud, il y a marqué recevoir la flèche. Quoi? Il y a marqué recevoir une flèche. Ensuite... Elle vient d'où, cette flèche? Dans votre inventaire, sauf si vous avez tout pris... Bon, voilà. Ah, non. Tiens, d'ailleurs, c'était encore une erreur. Je l'avais fait, mais vu qu'on a refait le... Oui, parce que... Normalement, vous êtes censé voir avant celle-là, une vidéo de présentation du serveur. Manque de bol, c'était sur une ancienne carte qui était toute merdique. Enfin, merdique parce qu'il y avait eu un gros bug de l'infini avec des morceaux de Twilight Forest qui apparaissent en plein milieu alors que c'est pas censé être le cas. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai complètement zappé. Il faut que je le retrouve, ça va être encore une catastrophe nationale. Sauf que je parie que je vais pas le retrouver facilement. Bon, tant pis, on va faire à l'ancienne. Voilà. Voilà, 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 et faudra penser à lui faire récupérer. Voilà. On a un Ender Chest qui sera, comme vous vous en doutez, vu que c'est celui du Vanilla, connecté à celui du spawn ici. Donc si vous voulez... Ah bon, on a un Ender Chest, moi je l'ai pas eu. C'est parti trop vite. Oui, bah. Mais non, mais à chaque fois que je spam le touche pour m'accroupir, ça m'enlève le grand écran, ça m'énerve ça. Oh, je jouerai avec Windows. Bon, même technique. Bon, attends, où est-ce que c'est? Other. Plein écran, oui. C'est bon, bah voilà. Et bonjour. Allez, putain, reprends la partie. Bon. Et pour le reste. J'ai fait une boulette. Pour le reste, on verra au besoin. Attends, je me demande d'autres chests. Mettre TP au-dessus du toit, c'est un peu con, quoi. Je vais plus descendre. Bah, tout dépend d'où t'as mis ton... Bah ouais, mais j'ai cliqué sur la map, j'ai pas fait gaffe, moi. Ah oui, petit point intéressant, justement, pour nos amis viewers. Grâce au magnifique mode Voxel Map, il suffit placement de produits. Bah non, mais ils se sont fait chier à faire un mode sympa et bien pensé, donc tant qu'à faire. Une fois qu'on a un endroit qui nous intéresse, en l'occurrence moi c'est celui-ci avec le petit panneau home, hein, fantastique. Me laisse pas tout seul. Il suffit soit d'aller dans Waypoint et puis
de cette épée. Soit, tout connement, et c'est là que je trouve ce mode fantastique, de pointer sur un endroit au hasard qu'on a déjà visité, par exemple, où est-ce que je pourrais aller qui soit intéressant, ouais, allez, je vais aller chez moi, tiens, directement. En fait, il suffit de faire un clic droit. Le mec, il a le melon. Et de faire téléporter. Ouais, c'est clair. non, il m'a laissé tout seul. Pas avec Mimi. Mais attends, moi aussi, je peux me téléporter. Je vais revenir. Non, bâtard. Et du coup, voilà. Je me suis téléporté dans mon village. Alors, normalement, une fois qu'on a trouvé son petit point d'attache, là où on a envie de vivre, parce que c'est, il fait beau, il y a du soleil, il y a des gardes. Moi, je vais aller chez les gens, je pense. Eh ben, on place un petit beacon, comme il y a sur, sur la maison d'ici. Comme ça, ça veut dire que, quand mes chers collègues passeront dans le coin et qu'ils verront ce beacon, ils sauront que c'est là que j'habite, et que si jamais ils viennent me faire une prank, me faire chier, ou autre, ça sera grosse TNT dans ta face. Ah merde. Voilà. C'est pas drôle, ça. Et bien sûr, TNT, penser, mais... tu me ferais dépenser de désactiver les explosions. C'est toi. Non, blague à part, c'est surtout pour dire que voilà, en gros, j'habite dans le coin, donc évitez de miner sous chez moi, quoi. Ça serait sympa. Bah pour le troll, écoute, ça peut être marrant. Bah disons que si tu vas parler, on peut pousser le troll très loin. Hein. Je suis assez inventif là-dessus. Mec, il va t'enlaver ta maison, tu sais pas comment ce qui t'arrive, tu sais. Hop, je vais revenir au spawn. Voilà. Oui. Je m'accroupis un peu pour checker. Ouais, c'est bon. Alors. Je vais rejoindre les deux compères, là, qui sont allés se mettre là-bas. Non, les deux cons. Ça suffit. T'avais une syllabe en trop. Voilà. Ah, bah, je vois que ça commence déjà, là. Ça récupère du bois. Ça... Ah, moi, j'ai rien fait. Ah, par contre, tu sais, j'ai récupéré ça. J'ai rien fait. T'en exprès. Bon, eh ben. Mais évitez de miner au spawn, quand même. Oh, je mène pas, je bûche. Oh, mais c'est pareil. Laissez le spawn dans l'état. Que ça fasse joli. Qu'avec vos talents de minage. Moi, voilà. J'ai rien fait, moi. Donc, c'est Mimi. Allez, on est parti. Moi, je te suis. Parce que j'ai pas d'amis. L'aventure. Ouais, mais si tu veux. C'est ce que j'ai trouvé. C'est tout ce que j'ai trouvé, écoute. Et, regarde, Terfi, tant qu'on y est. Petit truc intéressant, regarde. Si tu prends ta pioche et que tu vas sur le Infus Colium Or, déjà, ça te dit ce que c'est. C'est pratique. Et surtout, wow. Tu vas marquer harvestable, yes ou no, ça dépend. Quand ça yes, bah, tu peux y aller, tu peux taper sur la pioche. Quand c'est non, bah, soit c'est que c'est un bloc troll, soit c'est que bah, c'est pas la bonne le bon outil pour le récupérer. Ah, quand c'est pas le bon outil, il y a rien. Parce qu'avec la pelle, il y a rien. Oui. Non, ah, y a après, pas, faut, y a, enfin, après, y a pas, faut être con pour essayer de casser du caillou avec une pelle, quoi. Hein. Mais de quoi tu me parles? Mais en fait, ça dit ce que c'est, mais moi je sais pas ce que c'est de l'infusculium, donc de toute façon ça m'aide pas. Mais ça te dit que c'est de l'infusculium or, que tu peux l'utiliser pour faire un objet slash item slash truc de métallurgie 4. Et en l'occurrence, métallurgie 4, c'est principalement des modes d'armes, armure. Médiéval. Voilà. Donc, fais-toi plaisir, tu récupères si t'as envie, et vu que on a mis un peu de temps au démarrage, on va quand même repartir sur un jour de début. Comme on a. Ça te fait du bien d'être dieu. Disons que c'est pas que ça me fait du bien d'être dieu, c'est que si tu veux, moi j'ai l'habitude quand je fais des. T'as l'habitude d'être dieu, waouh, le bâtard. Non, j'ai l'habitude. Laisse-le finir sa phrase. Quand je tourne des vidéos sur du Minecraft, de toujours avoir la possibilité de virer la pluie. Parce que la pluie, c'est bien, mais trop souvent, c'est chiant. Et en plus, je suis poète. Et ça fait laguer. Aussi. Encore que là, ça va, mais... Parce qu'un vrai dieu, c'est moi. Oui. Non, c'est vrai. Hein. C'est trop foiré. Non, mais le truc, c'est... Si... Les viewers s'en foutent complètement, mais... Sur le principe, Mimi et moi, on est les initiateurs du projet, mais Mimi finance, donc en gros, c'est le taulier, c'est le patron. Et moi, je ne suis là qu'en titre d'intendant.
Ouais, il finance. Ou de secrétaire. Heureusement qu'il a un vrai banquier d'ailleurs pour lui dire quoi faire, parce que la vache, quand j'ai vu les finances, j'ai eu peur. Lèche-burne. Enfin, secrétaire si tu veux, mais pas secrétaire cochonne sur le bureau Ikea. J'ai quand même une question là, les dryades là, c'est gentil ou c'est méchant ça? Les dryades sont très gentils. Ok, donc si je la tape, elle va enfin, j'ai pas de raison de la taper quoi. Ouais, les bureaux Ikea sont mal foutus, la secrétaire se gagne toujours la tête. Bah écoute, si t'es malin, tu trouves un moyen de l'emmener dans un petit coin sombre, hein, après voilà. Ils doivent pas sucer les Suédoises. Voilà, blague piquée à Jeff Panaclock. Hein. Oui, merci. Alors, pour le coup, tiens, regarde, c'est quoi? Voilà, t'as tout gagné, Terfi. Bravo. Ouais. Il y a un gros silence, là. Ouais, bah attends la connerie qui va arriver, ça va te faire du bien. Ouais, non, j'ai peur. Non, mais si tu l'as pas entendu, tant pis. Les viewers l'auront entendu. Ouais, non, ça l'a bugué, je pense. Ouais, ça l'a bugué. Parce que personne l'a entendu. Hein. Ouais. Bon, tant pis. Aïe. Ouais, je t'ai piqué ton bois. Et il est content. Tu me piques. Ça fait un feu d'artifice, c'est pour ça que c'était rigolo. Oui, à chaque fois que tu vas débloquer un achievement, ça te fait un petit feu d'artifice comme ça. Ouais, mais du coup, j'ai rien fait, j'ai eu un achievement. T'sais. Bah oui. L'achievement du. Parce de que la feignasse, tu vois. Ah, des fleurs. Voilà. J'ai quand même à dire une chose. Feu d'artifice. C'est qu'avec toutes ces conneries de Terfil, il reste 3 minutes. Mais j'ai rien fait, moi. Je vous le dis. Moi j'ai rien fait. C'est bien ça le problème, Terfi. Moi, ce que je sais, c'est qu'après, il y a de grandes chances que je tourne un deuxième épisode. Oui, il y a des fées clochettes là-bas. Des fées clochettes? Il y en a deux, ouais, même. Mais en il y a un âne. Et en masculin, j'ai l'impression. Il y a deux ânes. Des fées. Mais où est-ce qu'ils voient des fées clochettes? Bah, c'est les hommes en vert là. Mais c'est pas des hommes en vert, c'est les fameuses dryades d'Alma. Ah! Moi je vois des hommes en vert donc. Ça s'appelle l'effet clochette en femmes. Plus. Des femmes! Ouais, non, mais il sait pas quoi être un homme et une femme, après on se demande pourquoi il est célibataire. Mais c'est en vert! Mais elle a une barbe! Qu'est-ce que tu me dis que c'est une femme? Elle a une barbe verte! Ben non. Non, Terfi, regarde-moi dans les yeux. Faut arrêter de fumer la moquette! Dis-le avec un projecteur sur la tête. Mais évidemment. Juste non. Ce qui arrêtait mieux, c'est qu'ils disent juste entre nous. Non, mais le regarde dans les yeux, il me regarde, puis je vois son gros caméscope. Mon gars, c'était horrible. C'est pas un caméscope déjà, c'est une Super 8. Alors respecte un peu. Non. Bon, sinon, pour respecter un peu. T'as déjà vu Terfi respecter quelque chose, toi? À part sa main droite, il respecte rien. Hein. Je vais rien dire, c'est la vérité. Bon. C'est pour ça que je le dis. Je te donne un petit conseil comme ça, hein, juste entre nous. Tiens, t'as vu, je l'ai placé celle-là. Récupère donc les petits buissons, là. Les petits blueberry bush. Ça te donne de la bouffe. Ah. Et tu verras, il y en a plein. Il y en a des jaunes, des noirs, des roses. Fantastique. Ça sert à faire une salade de fruits ou pas ça. Y'a pas de verre. Ouais. Y a pas de verre. Mais en même temps, qui veut un truc vert dégueulasse? On se demande. Peut-être l'homme slim. Ouais. Ah le bâtard, il me fait un il me fait un truc pour me bloquer. Méchant. Bah tu te démerdes à monter ou attends? Bah attends moi. Où est-ce qu'il est passé, merde? Non, il suit tout seul. Sublime. Du coup, je peux enlever ça et mettre un magnifique steel chest plate. Mais il est où? T'es passé où? Je ne te vois plus. Ah, après, y a quoi, bonjour. Ça va dégager. Qu'est-ce que c'est que ça? Mundane amulet. C'est un petit ajout du mode Tomcraft. Et d'ailleurs... Virus dangereux? What? Il y a des têtes de gens et nuke dangereux. Ouais, c'est les trucs de...
Pneumatic Craft. Ouais, moi je le laisse. Pourquoi il y a, pourquoi y a un virus dangereux? Je suis pas fan de Pneumatic Craft. Par contre, si tu veux mon avis, Terfi, on va éviter de rester là parce que dessous il y a un spawner. Ah si vous voulez mon avis, le temps est écoulé. Oui, mais t'avais mis combien de temps? 25 minutes? Donc on a 5 minutes de rab, allez, c'est la fiesta. Non, j'avais mis 30. Mais toujours ça. Ah, il y a un gobelin. Ouais, prenez 5 minutes si vous voulez. Ah, il y a un petit homme vert. Ouais. Il vient du mode... Witchery. Et pour le moment, moi, je vais juste faire un petit peu de récolte de légumes, de trucs comme ça. J'avais faire Witchery. Parce que merde, je suis encore perdu. Ah, t'es là. Normalement, tu me vois sur la map. Tout le monde s'en fout. Bah, en fait, je te vois pas sur la map quand t'es trop loin. Botania, ça s'utilise comment? Pardon? Je te vois pas sur la map quand t'es trop loin, mais je peux voir ton nom. C'est de la magie, Botania. Ouais, parce que j'ai plein de fleurs où c'est marqué Botania, je sais pas quoi en faire. Ouais, c'est de la magie avec les fleurs. Ouais, mais il faut quoi pour s'en servir? Il faut une connaissance en magie, comme moi. Bute la chauve-souris si tu veux te transformer en chauve-souris. Bah, ça m'enchante pas trop, ça, mais. Ça sert à rien de commencer la magie de Botania. Oh, ça peut te sauver la vie. Quand t'es tombé et puis que tu peux pas remonter, plutôt que de foutre 20 000 blocs, une chauve-souris, hop, ça retarde. Ah, mais je suis nul. Ah oui, mais ça. Oh, je l'ai eu. Oh oui, oh. Bon, je vais mettre ça parce que c'est quand même bien pratique. Ouais, ça. Ah, Averstable, no. Donc c'est no. Ouais, ça veut dire que tu peux pas récupérer avec cet outil là. La chauve-souris qui me troll quoi, elle passe au moins, du coup ça m'annule l'avancement pour creuser le bloc. J'ai de quoi me faire. Meurs. Une table de craft, un petit four. Qu'est-ce qu'on a là? Du bauxite, allez, vas-y. Fiesta dans la barquette. Oh, c'est quoi ma maison? Rush infusé, ok. Merde, t'es passé où? C'est qui a eu l'idée de s'installer aussi loin? Du zinc, c'est pas utile. Bah, moi je suis même pas installé du tout, tu vois là, je suis. Du ouais, non, un clochard. Suis... Bah, vu que. T'as demandé à comment je suis loin. Vu qu'avec Mimi on s'est amusé à décorrompre un biome entier de Tomcraft, j'ai envie de te dire, tu pourras te mettre pas loin de chez moi. Alors, moi j'ai peur tout seul. Ah, du même dans les jeux. Mais moi, si tu te rends chez nous à pied, ça va te prendre 10 ans. Tellement loin. Certains vont dire que l'électromagnétique c'est du cheat. Moi je m'en fous. C'est pratique, ça évite de miner comme un con un bloc et puis qu'il tombe dans la lave alors que bah. T'as un petit peu gaspillé une utilisation de ta pioche pour récupérer. Donc là c'est bon. On a, comme tu le vois ici, le mode Dense Ore. En gros, quand tu vas le piocher, tu vas récupérer jusqu'à, je crois, ça doit être 3 fois ce que tu aurais dû récupérer normalement. Donc, un bloc de coal égale un charbon. Un Dense Coal égale 3 charbons. Et c'est pas si vite le chat. Donc c'est depuis le début, il y a des conneries dans le chat, il voit pas. Mais oui, parce que justement. J'espère qu'il l'a pas désactivé, c'est moins drôle après. Ah, il l'a désactivé. C'est moins drôle après. Fait que là, ben il va le réactiver, fait que je vais arrêter de dire des conneries. Oh non! C'est rigolo. Il bouge plus. Ça me fait peur. Et il parle plus d'ailleurs. Allô? Qu'est-ce qui branle? C'est pas possible. Bonjour. Ah, hop, on a Gisèle qui vient de rendre visite. Ah non, elle s'en va. Non, elle revient.
Gisèle, tu penseras à m'amener le café demain matin? Voilà, putain, merci. Ça fait quoi si on la tue? Oh, ce comportement, oh là là, sexiste, machiste. Oh, ça va, on peut rigoler, hein. Peter. Bouffe. Non, le beauf, c'est celui qui a un système surround en 13e de 12e dans sa petite Twingo tunée jaune poussin. Ça, c'est un vrai beauf. Oui, Quoi, mais là, il a rien compris ce que tu viens de dire. t'insultes les mecs qui font du tuning? Ben, faut arrêter. Quand le tuning consiste à enlaidir ta bagnole, c'est pas du tuning, c'est du jacky. Enfin bref, on va pas se lancer dans des considérations. Ami tuneur, bonjour. Ami jacky, cassez-vous. En fait, c'est plus Après, tes qu'est-ce qu'on amis. a ici? Du prométhéeum. Allez, vas-y, fais péter, moi je récupère. Moi, je suis sur le principe du castor. Ça se mine, je Par contre, moi, récupère. je suis vraiment sur le principe qu'on arrête là. Oui. D'accord. Parce Bonjour, que le Ghislaine. Claude, il va mettre 3 heures sinon. Qu'on en relance une derrière, y a Ça pas de fait quoi si souci, on la tue? mais. Je veux te tuer, madame. Eh bien, dans ce cas, on va faire simple, on va faire court. Terfi, un dernier mot. Merci, Terfi. Ghislaine, d'accord. Mimi, un dernier mot. Non. Et tu t'as. Almar, un Merci dernier la mot. radine. À bientôt. Et Ça moi, fait bah, deux. voilà, un Mec, dernier mot. c'est du Salut tout le monde, Twitter. bye bye. Je vais rejoindre les deux compères là, qui sont allés se mettre là-bas. Non, non, les deux cons. Ça suffit, ça suffit. T'avais une team là-bas, toi. Ah bah je vois que ça commence déjà. Ça récupère du bois. Ah, moi j'ai rien fait! Ah, pardon, tu sais, j'ai récupéré ça. J'arrive pour ton respect.